grotte des aigles. Nos cœurs se sont ouverts. Mon jeune compagnon a confié ce soir son histoire et son nom. Il est fils d'un proscrit. Il se nomme Laurence. Sa jeune mère est morte en lui donnant naissance. Il n'a ni sœur ni frère. À 16 ans parvenu, en toute son enfance, il n'a jamais connu d'autres soins, d'autres amours, d'autres fronts sur la terre que les soins, que l'amour, que le front de son père. Heureux avec lui seul et près de lui toujours, jusqu'à 7 ans de meurtre, il a passé ses jours dans un manoir désert d'une aride campagne, sur les bords orageux de la mer de Bretagne. Quand l'orage civil en ces lieux retentit, pour ses lois et son Dieu, son père combattit. Vaincu, forcé de fuir ses champs héréditaires, cachant sous un faux nom son nom et ses misères, il avait traversé la France avec son fils. Du haut de ses sommets qu'il visita jadis, d'espoir et de bonheur l'âme déjà remplie, ses yeux voyaient de près les champs de l'Italie, quand, au bord de l'Isère aperçu, des soldats, par de vils délateurs, sont lancés sur ses pas. Ils allaient échapper dans la nuit, nuit funeste. Ses larmes l'étouffaient, et je savais le reste.